Oui, c'est un moment de contentement, de la joie pour les musulmans, après avoir qu'ils finissent un mois de carême. Mais là, les bonnes nouvelles ressortir pour un récit prophétique. Quand le prophète Mohammed, paix soit sur lui, il dit, et pour les jeunes, il y en a deux moments de contentement. Un, quand arrivent les jours de ride, et deuxième, quand ils ont son créateur. Donc, ça amène nous à réfléchir pour les musulmans, c'est un moment qu'il peut réjouir. Entre famille, entre camarades, bonnes collègues, connaît le contentement pour plus grand. Quand il gagne sa récompense, des efforts qu'il finit de faire pendant ce mois-là. Et là, nous attirons l'attention aussi que ce contentement-là ne vient pas venir en excès pour qu'il y ait le tombe de désobéissance du Créateur. C'est pour ça que le prophète Mohammed, paix soit sur lui, rappelle nous-mêmes, ô toi qui finis jeune, obligatoire le toi pour te donner un pauvre, une nourriture, ça qu'il nous appelle fitra. Cette action-là, il fait nous témoigne un pauvre devant nous, avant la fête de Ride. Il coupe ça, excès de contentement qui nous pourra le développer là. Et en même temps, le pauvre, il va sentir seul, sans compter qu'il vient un de bons moyens qui nous corrige nos bons manquements dans nos jeunes. Donc, comment nous finir dire, ce moment de contentement là, oui, il est là, mais seulement il restait que l'eau, la terre, et il n'a aucun contentement ou bien aucune tristesse qui dure pour longtemps, excepté dans le delà, qui le contentement pour Dieu, pour l'éternité.